Christophe Dugache, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable communication de Sangos. C'est quoi la positive production ? Alors, la positive production, c'est réconcilier le court terme de l'économie, le moyen terme de la qualité de vie et le long terme de l'environnement. C'est répondre à la question aujourd'hui que tout le monde se pose. Produire, oui, produire mieux, c'est clair, mais pourquoi et comment ? Concrètement, comment vous allez favoriser le développement, la généralisation de cette approche ? En fait, c'est la positive production répond à trois ambitions. Préserver le potentiel des cultures au travers des techniques, des produits, des solutions pour répondre aux pratiques et aux besoins adaptés des agriculteurs ou aux risques sanitaires. Deuxième ambition, c'est valoriser également les compétences, c'est-à-dire la qualité de vie, les liens entre les personnes, la facilité d'utilisation de produits, de solutions, et puis préserver les écosystèmes, les ressources, l'agriculture en général, les territoires, et puis bien sûr les entreprises, les exploitations agricoles. Mais comment faire pour que ça se généralise justement ? Alors, c'est cette positive production, elle a une mission entre guillemets virale, hein, tant elle est universelle dans sa conception, donc il faut la faire partager, la faire déployer, et là, on travaille de façon transversale avec les agriculteurs, les distributeurs, les instituts techniques, la prescription, de façon à ce qu'on puisse marier et impliquer. Et tout le monde veut demain être plus légitime ou faire comprendre aux citoyens qu'est-ce que c'est l'acte de production réfléchi, maîtrisé et mesuré. Christophe Dugache, si on veut en savoir plus, il y a peut-être un site internet ? Absolument, site internet www.desangos.fr et puis également le hashtag Positive Production. Merci beaucoup. Merci.